tu as su ta soeur là, c'est l'État, mais on finira par achever un travail propre. Oui, qu'est-ce que tu n'avais pas encore dit? C'est les personnes qui décrivent, mais c'est pas qui décrivent. Non, non, qu'est-ce que tu n'avais pas encore dit? Non, tout ce que tu as fait. Tu as fait quoi et quoi et quoi et quoi et quoi? Pardon? Non, c'est elle qui a parlé. Non, c'est elle qui a parlé. Tout le temps. Mon entourage, à part maman, qu'est-ce que tu as gâté autour de toi? Pardon? Non, c'est pas possible. Quand quelqu'un a la sorcellerie dans une maison, c'est vrai que même si tu as détruit ta mère, tu vas forcément toucher à la vie de certaines personnes. Ça, c'est clair. Et ça, tout le monde le sait ici. Non, ce n'est pas elle. Elle, tu as déjà atteint l'objectif, c'est de la détruire. Mais la même chose, tu as commencé à faire, c'est la vie de certaines personnes. Il faut l'avouer, nous, on va te délivrer. Tu veux être délivré? Ok, c'est une occasion pour toi de parler. Ici, on ne force pas les choses. Quand on arrive sur le terrain des aveux, on ne force plus les choses. J'ai dit, tu es libre de parler. C'est ce qu'on appelle aveu. Or, ce n'est pas une question de révélation. Tu es aveu. Pourquoi? Parce que tu veux être délivré, c'est ça? Donc, moi, je ne suis pas basé sur une révélation pour dire, voyez ce que tu as fait. Ça n'était pas, ce n'est plus des aveux. Non, je ne peux pas te soutenir. Or, toi, tu dois parler pour être délivré. Si il y a des choses, il le sait. Il ne peut pas te dire, il ne peut pas parler à ta place. Ça ne va pas t'aider même par rapport à la délivrance. Tu veux être délivré. Et ta maman, qu'est-ce que tu dis quand tu la vois comme ça? Maintenant, tu n'as plus l'amour, c'est ça? Maintenant, depuis quand tu avais commencé à avoir pitié? Non, mais c'est quand hier, vous me dites que je suis trop pour quand vous avez confirmé, oui, ça, c'est la sorcellerie. J'ai dit, les gens sont méchants. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Hier, quand vous m'avez dit, quand je me suis levé, vous avez dit, toi, quand je vous ai dit, je suis derrière, vous avez dit, oui, je suis sorcier. Mais toi, me disais, oh ouais. Et quand vous avez dit ça, non, c'était comme une confirmation, en fait. Aïe. Comme une confirmation, quand vous avez dit ça, après, je me suis dit, les gens sont méchants. Non, non, je sais. Mais ils ont fait un travail dans ton cœur. C'est ça même là qui est dangereux. À point que tu regardes ta mère, tu la vois plus comme une mère. Ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Une mère, c'est quelque chose de très cher. Ouais. Malheureusement, nous, on a pu perdre nos mamans. Sur notre maman, non. Ta maman, quelque chose de balèze. Ils t'ont détruit, hein? Salement. Hum? Pas le français. Ils m'ont détruit vraiment. Ils vivent salement. Viens ici. Vous avez des bouteilles d'huile là? On a déjà fini ça. Si, si, si. Okay. Allez s'occuper des bouteilles d'huile. Attendez, chez mes petits. Ça veut dire qu'il y a une élève là. Ah, il dit quand je suis là, il a chaud. Ouais, c'est. Ouais. C'est comme ça. Ouais. On va te délivrer. La confrérie, là. Non, non, laisse ce terrain. On va en parler. Comme on a plein de caméras. Moi, je cache. Tu sais, vous savez, la chose dans laquelle vous ne pouvez pas jouer, vous amuser, c'est la sorcellerie. Quand c'est noir, dit c'est noir. Que ça choque la personne, mais je t'en fiche. Fléché. Pas derrière. Elle était comment que tu l'as fléché? Elle était comme si elle voulait se relever. Elle était comme si elle voulait se relever. Non, tu seras guéri. Je ne marche pas, j'ai tout. Il y a des douleurs. Mon dos, je sais que je vais porter une salle. Je n'ai pas de douleur. Ce matin, c'est parce que je sais que je dois faire du pain, je vais chercher un petit peu. Vous attachez une ceinture. Ah non? Comment? Allez! Nom de Jésus! Lâche-la!
lâcher sa vie. Lâcher sa vie maintenant même. Au nom puissant de Jésus, je te libère. Au nom de Jésus, je brise les chaînes. Au nom de Jésus, libérez sa vie. Libérez sa vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère sa vie maintenant même. Dans le nom de Jésus. Lâchez-la. Lâchez sa vie au nom de Jésus. Lâchez sa vie au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez-la. Au nom puissant de Jésus. Je te libère maintenant. Comment? Oh! Allez! Au nom puissant de Jésus, allez! Allez! Lâchez-la maintenant. Je te libère. La puissance de Dieu dans tout ton corps. Je maudis la présence de la maladie au nom de Jésus. Je maudis la présence de la maladie maintenant même. Allez! Lâchez-la! Allez, allez, la puissance de Dieu, Jésus te délivre maintenant, Jésus te délivre maintenant, Jésus te délivre maintenant, lâchez-la au nom de Jésus, lâchez sa vie au nom de Jésus, lâchez-la au nom de Jésus, lâchez-la au nom de Jésus, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, la puissance, vous libérez ce corps maintenant, libérez-moi cette vie. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Ça va? Tu vas délivrer. Allez, feu! Comment? Allez! Chante! Allez! Feu! 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 Le feu! Feu! Au nom de Jésus, lâchez-le. Esprit de la sorcellerie, esprit de la sorcellerie, quitte ce corps maintenant même. Quitte ce corps. Corps. Quitte ce corps au nom de Jésus. Quitte ce corps au nom de Jésus. La puissance de Dieu écrase ton pouvoir dans ce corps. Tu libères sa vie maintenant. Le feu. Feu! Feu! Allez! Allez! Feu! Soulevez-le. Soulevez-le. La puissance de Dieu. Feu! Allez! Sortez! Sortez! Feu! Esprit la sorcellerie. Quitte son cœur. Quitte sa vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâchez-le. Lâchez-le. Lâchez-le au nom de Jésus. Vous libérez cette vie maintenant même au nom de Jésus. Feu! Allez! Va-t'en! Va-t'en! Va-t'en, allez! Quitte son corps, allez, va-t'en! Feu! Allez! Feu! Esprit de la sorcellerie, tu le lâches maintenant. Tu les libères maintenant dans le nom de Jésus. Libère-le maintenant même. Au nom de Jésus. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-le. 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 Feu. 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 Allez. Lâche-le. La puissance de Dieu t'écrase maintenant. La puissance de Dieu t'écrase. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Esprit de la sorcellerie, libère-le. Libère-le maintenant même. Au nom de Jésus, tu le libères maintenant. Tu le libères maintenant. Tu le libères maintenant. Dans le nom de Jésus. Feu! Allez! Allez! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Au nom de Jésus. Jésus te délivre maintenant. Jésus te délivre maintenant. Jésus te délivre maintenant.
La puissance de Jésus te délivre maintenant. Jésus te guérit. 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 Jésus te guérit maintenant. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Maintenant là. Maintenant là. La puissance de Dieu. Je libère ton âme. Je détruis la mort. Au nom de Jésus. Femme, je t'arrache. En ta main de sorcier, je libère ton âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Reçois ton miracle. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Le pécheur, voilà, toute la bouteille. Toute la bouteille. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Des vêtements, ouais, avec ses pieds, on nettoie ici. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Le miracle de Jésus. Jésus te guérit maintenant. Mon Dieu te guérit maintenant. Mon Dieu te guérit maintenant. Au nom de Jésus. Mon Dieu te guérit maintenant. Mon Dieu te guérit. Mon Dieu te guérit. Mon Dieu te guérit maintenant. La puissance de Jésus te guérit maintenant. Tu vas lâcher ce corps. Tu vas lâcher sa vie. Tu vas lâcher sa vie au nom de Jésus. Esprit de la sorcellerie. Tu vas lâcher sa vie. Tu m'entends? Lâche-le. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-le. Maintenant même. Lâche-le. Lâche-le. Feu! Feu! Allez! Le feu dans tout ce corps. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu de Dieu consume tes œuvres. Le feu de Dieu consume tes œuvres. Feu! Allez! Libérez-le maintenant même. Dans le nom de Jésus. 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 Faites la parole. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus écrase ton pouvoir dans ce corps. 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 Tenez-le très bien. Viens, viens, viens toi, viens. Mets ta main sur ta tête. Sa puissance te délivre, sa puissance te délivre, sa puissance te délivre, sa puissance te délivre, la puissance de Jésus, la puissance de Jésus, la puissance de Jésus, la puissance de Jésus te délivre maintenant, 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 lâchez-le, lâchez-le, allez, lâchez-le, lâchez-le, allez, allez, allez. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu te libère maintenant. La puissance de Dieu te délivre maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Lâchez-le. 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 Au nom de Jésus. Libérez-le maintenant même. Je brise. Je brise les chaînes. Je brise. Au nom de Jésus. Allez.
Lâchez-le. 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 Feu. 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 Allez. Allez, feu. 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 Allez, lâchez-le. 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 Au nom de Jésus, je brise. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Libérez-le. 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 Lâchez-le. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te libère maintenant, maman. Je te libère maintenant, maman. Je te libère. Au nom de Jésus. Reçois maintenant ta délivrance. Jésus te délivre maintenant. Jésus te délivre maintenant. Jésus te libère maintenant. Jésus te libère maintenant. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu de Dieu consume tes œuvres dans ce cas. Le feu de Dieu consume tes œuvres dans ce cas. Lâchez-le. 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 Au nom de Jésus. Lâchez-le. 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 Au nom de Jésus. Libérez-le. Libérez ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouais. C'est toi qui as détruit sa vie. Viens ici. Le feu. Le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est toi qui as détruit sa vie. Comment tu as fait? Un matin, j'étais dans la chambre. La tuberculose, je vais plus. Je vais parler. Et puis écraser son mariage. Hein? Écraser son mariage. Comment? Mariage. Ah. Et je me couche à elle. Je te couche à elle. Je fais la nuit à elle. Ah. Ça soit fait. Ah, ok, accident. Ouais. C'est l'accident là, j'ai vu tout de suite. La première accident. Contre sa vie. Et pourquoi? Pourquoi? Il n'est pas pris de suite à ça. Et pourquoi? Il est bon, hein? Tu ne veux pas qu'il réussisse dans la vie. Dans ces récits-là, il y a un problème. Il y a un problème. Je brise le pouvoir de la mort sur ta vie. Au nom de Jésus, lâche-le. Je détruis la mort. Au nom de Jésus. Lâchez son âme. Lâchez son âme. Lâchez son âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâchez son âme. Lâchez son âme. Allez.
Je maudis ta présence dans ce corps. Je maudis ta présence dans ce corps. Comme Satan l'a attaché à l'attaché. À l'attaché, non. Faut appeler Satan et laisser. Feu. Feu. Non, non, mais pas quitter la main. Feu. 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 Mais j'ai dit la chute. Feu. Feu. Nom de Jésus. Nom de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. Je maudis ta présence. J'ai l'impression qu'elle ne veut pas lâcher la sorcellerie. Elle ne veut pas quitter. Je vais te troubler pendant une semaine. Feu! Le feu va te brûler pendant une semaine. Elle va plus se retrouver. Une semaine. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Elle va plus se retrouver pendant une semaine dans les ouest. Le feu de Dieu va te brûler. Tu ne pourras plus manger. Tu ne pourras plus te retrouver pendant une semaine. Le feu de Dieu va te brûler une semaine. Elle a attaché ton homme là-bas. Appelez Satan. Je te trouble avec le feu de Dieu. Pardonnez-moi. Tu ne vas plus te retrouver pendant une semaine. Pardonnez-moi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Elle va plus se retrouver, c'est fini ça. La puissance de Dieu te guérit. Levez-le. 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 Je te trouble avec le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Elle ne veut pas laisser la sorcellerie. Non. Elle ne veut pas laisser la sorcellerie. Jésus, te délivre. La puissance de Dieu te délivre. La puissance de Jésus te délivre. Sa puissance te délivre. Sa puissance te délivre. Reçois la délivrance dans le nom de Jésus. Reçois la délivrance dans le nom de Jésus.
Jésus te délivre maintenant. Jésus te délivre. Reçois ta délivrance maintenant. Au nom de Jésus. 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 La puissance de Jésus te délivre. La puissance de Jésus te guérit. Cette puissance de Dieu te guérit. Elle te guérit et te délivre. Elle te guérit. Elle te délivre la puissance de Dieu. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois. 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 Dans le nom de Jésus, la puissance de Dieu te délivre. La puissance de Dieu. 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 La puissance de Dieu te délivre maintenant. La puissance de Dieu te délivre. La puissance de Dieu te délivre. Au nom de Jésus. 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 Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu te libère. Reçois. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Et maintenant même. Reçois ta délivrance maintenant. Au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit te délivre. L'Esprit de Dieu te délivre maintenant. L'Esprit de Dieu te délivre maintenant. La puissance de Dieu te délivre. La puissance de Dieu te délivre. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Amen. Va t'asseoir d'abord, après toi, le matin. Va t'asseoir, je te rappelle. Tu vas prendre un peu. Le feu de Dieu. Avec le feu de Dieu. Son cœur, libérez son cœur au nom de Jésus, libérez-le maintenant même dans le nom de Jésus. Je proclame ta délivrance et maintenant, je proclame ta délivrance et maintenant, je proclame ta délivrance. Elle sera troublée, elle va plus manger. C'est fini ça. J'invoque le feu, je te trouble pendant une semaine, sorcière. Le feu chez toi, le feu de Dieu détruit ton pouvoir. J'ai envie de l'expédier à la mort. Je vais te donner ton visa, tu chutes. Hein? Comme ça, vous êtes délivré. Elle ne veut pas laisser la sorcellerie. Elle ne veut pas laisser. Hein? C'est moi qui fais laisser. Chacun sa volonté ici. Elle n'est pas la seule pépère te mange. Fais le filet te mange. Dieu a va. C'est pas les affaires, les pépères ne veulent pas laisser. Vous me laissez te délivrer, ou bien? C'est les manches de délivrance. C'est délivrance aussi. Quelqu'un qui n'est pas laissé son CDI. Ce serait quelque chose avec lequel on s'amuse. Un vieux qui est venu se passer sa amusement. On le délivre à manger. Je lui donne son visa, il en compagnie. Je suis allé filmer son corps.
La sorcellerie, c'est quelque chose avec laquelle on s'amuse. C'est dangereux. Elle ne veut pas laisser la sorcellerie. Oui, ça vous dit quoi? Ça vous dit quoi? C'est pour vous poser un problème. Non, pardon. Après, quand j'ai dans le bureau, on va poser le problème dans le bureau. Moi, je saurai comment régler votre problème. C'est tout. Si elle est morte, c'est une délivrance. Toi, t'es venu avec qui? Voilà. Ok, et toi? Qu'est-ce que tu as? Viens ici. Et toi? Il a fini de parler, lui? Il veut détruire toute sa famille. Viens ici. Sa maman, ses frères, tout le monde est dans le temps. Il a fini de parler de la question. Le coup de délivrance, prenez-le et puis commencez à. Prenez-le dehors. Prenez-le. Les sorcières? Pas de problème. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qui t'a donné la sorcellerie? La maman. Comment t'as donné ça? Oui, mais comment? Ce que tu dis, c'est ta maman. Est-ce que c'est pas une accusation? Comment t'as donné la sorcellerie? Elle t'a donné ça. Comment? C'est important pour nous. Comment elle t'a donné? Donc tu es né avec. Tu sais les aveux là. Il n'y a pas trop de révélations dedans. Or, si tu viens ici sur la base d'une révélation pour qu'on t'aide, on ne pourra jamais t'aider. Mais ça ne te verra pas du bien toi-même. Or, celui qui a détruit la sorcellerie, c'est celui qui vient faire des aveux. Et puis on fait ta délivrance. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi quand tu as donné la sorcellerie? J'ai grandi, j'avais 5 ans pour mon père de l'école. Tu dis que tu es sorcière, voilà. Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Il n'est pas dit que tu es parti pour délivrance. Sorcier gâte, il détruit, il tue. Qu'est-ce que tu as fait ça? Papa s'est marié avec une femme, mais son essai était plusieurs, il s'est interpellé dans le mariage, il fait des discussions entre eux, son père s'est divorcé. Vous parlez en français qu'on comprend ici. Interposer tout ça là, pardon. Français, on comprend ici. Tu as fait quoi? J'ai créé des palabres pour eux, des discussions, des pas qui sont au son. Et puis. Tu les as séparés? C'est tout. Tu as séparé ton papa avec sa femme? En quoi faisant? J'ai créé des discussions entre eux. Depuis que j'ai failli tuer mon papa. Parce que comme ma mère était morte, c'était mon papa qui était mon seul parent. Sinon j'avais l'amour pour mon papa jusqu'à ce que quand mon papa s'est marié, parce qu'il est parti, mon papa s'est marié avec une nouvelle femme. Et puis c'est comme si j'avais toujours protégé mon papa. Il était pris là, parce que j'avais de la colère pour mon cœur. Parce que tu couchais ton père. Il faut bien préciser. Parce que tu couchais ton papa. Ton papa, tu l'avais épousé en sorcellerie. Donc quand ton papa allait épouser une autre femme, tu as décidé de le tuer. Ok. D'abord, tu as fait quoi? Tu as créé des disputes. Ton papa qui fait quel travail? Mon papa est comptable. Il est comptable, ok. Et qu'est-ce que tu as fait? Et puis, la femme de mon papa avec ta mère fait une enfant avec une autre femme de l'Italie. Elle a 10 ans et bon, nous deux, on ne se trompe pas. Il y a toujours des disputes entre nous. Toujours des disputes contre nous et puis la maman aussi ne s'entend pas avec. Non, tu as gâté quoi? Il y
j'ai gâté l'amour que j'avais entre moi et mon papa. Non, tu as gâté ton père ou l'amour? Ce n'est pas question de gâter l'amour. Tu as gâté ton père, c'est ça? Tu as gâté son mariage. Donc les sorciers ont la capacité de gâter un mariage. Les sorciers font ça souvent. Tu as une bouche à parler. Okay. Comment les sorciers s'arrangent? Un matin, quand tu commences à agiter ta femme, tu comprends pas. Elle t'énerve. Elle parle, mais ça t'énerve. Ça choque ton cœur. Bah, tous les dents d'aujourd'hui, ça a fait. Dans le sorcier est venu, il lui dit non, séparez-vous. Palabre. Winston dans la maison, pendant une semaine, brave, bon bandit. Faites fine dans la maison. Palabre. Amen. Parce qu'ils ont la capacité de séparer les gens. Par tous les moyens. Ils n'aiment pas que deux personnes puissent entendre. Ils n'aiment pas ça. Les gens. Et tu as fait quoi? Tu as quel âge? Ok. Et tu fréquentes? En quelle classe? Ok. Quel âge en 6 ans? Mon fils en 3e à 15 ans. Donc je suis étonné, elle a 15 ans. Elle en 6e. Mon fils passe en 3e. 15 ans. Et elle en 6 ans. Donc t'as dit, tu prends ta sorcellerie là, tu peux pas battre ça. Tu as fait quoi et quoi? Quand j'ai détruit le mariage de mes parents, mon papa, là, l'année passée, 2014, mon papa était tombé par un bon malade. Maintenant, il priait avec un patient. Non. Laisse affaire, il est tombé malade. Tu as donné la maladie ou il est tombé malade? Je lui ai donné la maladie. Qu'est-ce qu'on appelle l'aveu? Oui. Je lui ai donné la maladie. Maladie du cœur. Ça m'a fait. Ça part. Ça devient mauvais. Ça arrête de battre fort. Ça bat doucement. Ok. C'est toi qui as fait ça. Comment tu as donné? Comment tu as fait? Comme c'est un sort que j'ai lancé à mon papa. Ramène-le, qu'est-ce que tu as fait? Comme c'est un sort. Mm-hmm. Tu vas retrouver ton bébé, t'as oublié. Il ne va plus te flécher la nuit. Et donc, il y a une flèche. On dirait Dozo. Mais comment tu as donné maladie? Ah, les deux autres ont des flèches. C'est comme une boule. Oui. Parce que j'avais la colère dans mon cœur. Tellement. Peut-être ton mari, ton papa, il t'a trompé. Avec une autre. Tu as tombé sur une petite sorcière qu'on va te manger. Elle garde un matin. La puissance est feu. Comment? La puissance de Jésus-Christ te délivre. La puissance de Jésus te délivre. Amène-la à la délivrance. On s'en va gagner plus en temps. Oui. Hein? Oui. Ta grand-mère t'a donné. Combien elle t'a donné? Elle m'a donné 8. Oui. Il y a un poulet dedans. Oui. Vous avez fait quoi un poulet? Pas de fond. Elle m'a envoyé dans le monde. S'il vous plaît. Tu as dû donner ta maman. Tu n'as pas donné ta maman, tu as donné ton grand frère. Tu l'as tué. Comment tu as fait? Ton frère regardait la télé. Oui. Il t'a touché un oiseau. Tu as piqué son cou. Il regardait la télé.
Le cou s'enflait. Il est mort et ça. Tu l'as mangé. Tu l'as transformé en quoi? Mouton. Mouton. Il l'a mangé. Oui. Tu as tué qui encore? Le deuxième grand frère. Comment tu l'as tué? Oui, il dormait cette fois-ci l'autre. Oui. Tu es entré dans le nid cette fois-ci, tu es transformé en serpent. Tu es devenu l'homme, oui. Il a appelé son âme. Oui. Il a appelé son âme. Trois fois puis il est sorti. Son âme, trois fois puis son âme est sortie. Oui. Il a pris pour donner le monde. Tu as pris pour donner le monde. Oui. Oui. En mouton encore, vous m'avez mangé. Tu as fait quoi encore? L'enfant de ta grand-mère. Au total, tu as tué combien de personnes? Hein? 120. Tu as quel âge? 12 ans. À 12 ans, 100 jours. Vous savez, chaque année, combien? 10. Chaque année, 10. Par an. 10 personnes par an. C'est dangereux. Hein? Tu utilises quoi? Le serpent? Tu lui mets le serpent pour tuer les gens. Tu as programmé qui? Hein? Si David est qui? Qui? Où elle est? T'as programmé l'accident. C'est pour quand? Hein? En début octobre. Il dit dans le monde, le début octobre, il a programmé l'accident sur toi. Tu peux la tuer. Et t'as fait quoi encore? Ah, tu couches avec elle? Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. C'est courageux, hein? Quand tu couches, tu gardes quoi en elle? Parle fort. Hein? Je n'allais plus enfoncer. Hein? C'est la bébé dans mon ventre, ça ne peut pas. Tu es arrivé bébé dans son ventre. Pourquoi? C'est pas ta glace. C'est une erreur. Tu as le bébé. Comment tu as fait? Parle fort. Parle fort. La bébé était où? Dans son ventre. Et puis tu as amené ça où? Parle fort. Mon poulet a mangé. Tu as fait quoi encore? Mon argent, tu as gâté son argent. Tu as mis dans des canaries. Et tu as fait quoi encore? Tu couches ton papa. Ça, c'est grave, hein? Il a appelé des sorcelleries. Tu couches ton papa. Quand tu couches ton père, il est où? Qu'est-ce que quand tu couches avec lui, qu'est-ce que tu gâtes? Tu as gâté qui est ça, la sorcellerie? Tu as gâté ton papa. Tu as gâté quoi, la vie de ton papa? Ça veut dire quoi? Il faut bien l'expliquer. Tu as pris son argent. Comment tu as entendu qu'on perd l'argent que tu allais mettre en Canarie?
Ça va? Comment t'appelles là, toi? Non, c'est mieux, Marie. Ça va? Tu as bien dormi? Comment tu te sens? Je me sens bien. Bien. Au niveau de ta tête? Oui, ça va. Ça va. Tu parles plus seul? Non. Non. Je clame, je dis quoi? Tout ce qui a été programmé sur ta vie, je proclame ta délivrance par la puissance qui est dans le sang de la vie. Elle a son nom là, par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Je proclame ta délivrance maintenant même. Je proclame ta délivrance maintenant même. Au nom de Jésus, lâchez totalement sa vie par la puissance qui est dans le sang de la vie. La puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ, je proclame sa délivrance. La puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ, plus je pense maintenant, plus soit ta délivrance.